Donc après l'épisode des Meraglim, Akadosh Baruch Hu demande de faire la misva de Challah et de verser du vin sur l'autel. C'est étrange. L'épisode des Meraglim s'arrête là, Hachem, il est leur dit, vous ne rentrerez pas, etc. Et puis Hachem nous dit, faites la misva de Challah, prélevez sur la pâte, et la misva de verser du vin sur l'autel. C'est étrange que Hachem nous demande ça. Quel rapport avec ce qui précède? En vérité, l'explorateur et les juifs qui les attendaient dans le désert ont eu peur d'entrer en Eretz Israël aussi, car tout ce qui a eu, qui s'est passé avant, la faute d'Adam Harishon avec Rava, ça a eu lieu à Jérusalem, sur le mont Moria d'Il Midrash, et le Rambam aussi, et Chachamim nous disent qu'il y a une des portes du Gan Eden qui se trouve sur le mont Moria, sur le mont du Temple. Et donc, ils ont dit, oulala, s'est passé des choses terribles là-bas. Caïn a tué Abel sur le mont Moria. Noach a fait son sacrifice après l'abus du vin et s'est déshabillé sur le mont Moria. Il a dit, oulala, il y a un Yetzer terrible en Eretz Israël. On va jamais pouvoir y arriver. Et donc, Hachem, qu'est-ce qu'il dit? Ils ont eu peur, les Juifs, d'entretenir la faute. Donc, Hachem, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, je vais vous donner l'occasion d'affaiblir la faute du fruit défendu. Et le fruit défendu, il y a différentes opinions. Il y en a qui disent que c'est du blé. Il y en a qui disent que c'était du vin. Que Adam Harishon, s'il n'avait pas mangé du fruit, il aurait fait kidouche avec. Et il n'y aurait pas eu toute cette catastrophe qui s'est passée. Et le Ben Ishraï, il dit que c'était les deux. Et donc, c'est pour ça qu'on voit, le vendredi soir, on fait kidouche sur le vin. Pour être métaken, selon l'opinion qui disent que, c'est une des raisons, hein, selon l'opinion qui disent que le fruit défendu, c'était du vin. Et on fait motzi. Selon l'opinion qui dit que le fruit défendu, c'était du blé. Pareil, le soir de Pessah, on prend l'herbe à kosot, on prend la matzah. Et donc, quand on prend la challah, on arrange la faute d'Adam Harishon, et quand on fait nisur hamayim, on verse du vin sur l'autel, on arrange aussi la faute d'Adam Harishon. Voilà.